les extérieurs avec Jean-Ric. Jean-Ric qui choisit lui aussi le pied, va trouver une touche aux 40 mètres. Le problème, c'est qu'on redonne le ballon à Nevers. Il faut vraiment qu'on joue les contre-attaques à fond. Parce que sinon, on va leur redonner le ballon. Et comme c'est une équipe qui joue très très bien derrière, ça peut nous porter préjudice à un moment donné. Il faut qu'on soit plus joueur, on n'a rien à perdre. Faut pas que les joueurs se mettent la pression. Il faut absolument qu'ils se détendent complètement, quoi. Qu'ils sautent cette pression qui est malsaine là, pour le jeu pour l'instant. Alors qu'ils ont les qualités de faire beaucoup mieux que ce qu'ils viennent de faire là. Ouais, très. Voilà, Maya en bout de ligne. Ils sont mis à deux pour le stopper. Et il y a un en avant. En avant. En avant signalé par l'arbitre de touche, hein, je crois. Sur la passe du trois quarts centre à l'ailier Maya. Alors on est juste en face. Pour être très franc, c'était limite, quoi. Allez, mêlée introduction, Guillaume Laforgue. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la mêlée. Je ne regardais pas parce qu'on a un petit problème technique apparemment. Donc l'arbitre donne introduction à Guillaume Laforgue sur la mêlée suivante. À l'introduction à Laforgue. Ouais, la mêlée pas mal. Hein. Ouais. Et encore sanctionné. Pavel. Encore Pavel Stassi qui est sanctionné. Face à Mutapsic. Donc il indique qu'il rentre son pilier vers l'intérieur. Ouais, très bonne prise. Ouais. Allez, encore un bon ballon d'attaque pour Nevers avec encore ce Bosch en avant. Bon, considère que la passe est à hauteur. Non, mais très bonne un défense. Bon hein. Allez, on est dans le camp angoumoisin. Derrière, ça va très. Les passes sont parfaites. On revient petit côté avec le talonneur que l'on. Ça avance. Qui est flagrant du troisième lignel. Ouais. Du numéro 7, Salavea. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, Eric, mais sur l'écran géant, les fautes sont exposées par Bills, ce qui permet faute, puisque c'est déjà sur le panneau. Allez, Jean-Ric, pied gauche. On gagne du temps. Venir donc pour Victor Paquet. Alors c'est pareil, hein, juste à titre informatif, on joue avec des ballons Gilbert et Nevers joue avec des ballons Birutbi. Donc et ce matin, quand on a su ça, on a voulu s'entraîner avec ces ballons sur le stade et on n'a pas eu accès. Parce que c'est des ballons qui sont différents, donc aussi l'échec et le mauvais jeu au pied de temps en temps de nos buteurs. D'accord. Prise à deux mains de Martin Vognich. Non, on avance aussi, hein, je crois que. Ouais. Donc là. Wow. Hop, oui. Ah oui, il est peut-être passé dans la. Bien, Guillaume, faut jouer rapidement. Guillaume Laforgue. Le 1 reste dessus, je sais pas si tu as vu. Le 1 est complètement. Il reste sur le plaqué. Alors que c'est le plaqueur, il a pas du tout le droit de faire ça, quoi. Allez, Pavel est allé déblayer. Non, oh, c'est dommage. Ah, c'est un marque. Donc c'est un jeu au pied qu'on prend derrière. Ça, il faut pas faire ça, il faut vraiment conserver le ballon. Surtout qu'il choisit de la jouer vite, Nevers. L'extérieur. Victor Paquet. Qui choisit le pied, Victor Paquet, c'est David Edouka à la course.
Regarde Quentin Pilleux. Quentin Pilleux qui prend tout le monde de vitesse. Inarrêtable Quentin. Ouais. Superbe. Est-ce que vous avez remarqué la vitesse de Quentin Pilleux qui a complètement déposé le 3 carrel gauche? Et je peux vous garantir que ça va mettre le doute. Ça va absolument mettre le doute à Nevers. Antionville va encore dire qu'on a un essai à zéro passe, mais c'est ça aussi le pressing défensif. Quentin qui a déposé tout le monde. Hein. Il avait 10 mètres de retard, il en a pris 5 à l'arrivée hein, avec un Ducas et un ailier devant. Quoi, donc, Apparemment, l'arbitre refuse d'essayer, quoi. Allons bon. Ah, c'est lamentable. Sincèrement, c'est pitoyable, quoi. C'est un scandale. Ah. Alors n'importe quoi, je vois même pas ce qu'il siffle. Il siffle un plaquage à l'épaule alors qu'on intercepte le ballon. Si tu peux nous le repasser, Richard, c'est du grand délire, quoi.